Deuxième jour de gravel, donc encore de bonne heure. Il est 7h45. Je rejoins Olivier pour cette deuxième journée de gravel. Donc environ 130 km. Il n'y a plus qu'à. Il fait beau. Un petit peu de vent, mais bon, il devrait aller. Le voici, le voilà. L'Olive. En pleine forme. Ouais. Ah ouais. Je l'ai. Ah non. Ah si, tu rigoles. Ouais. Dans la descente. Chez toi. Ma gueule, non. Ouais. Bon, apparemment, il fait. Faut canapé. Exact. Il a pas tort, en fait. Bon, allez, on y va. On va monter la première côte. Ça va être l'échauffement. Ah, monte un peu plus. Au moins, il me prévient. Gentil, hein, le monsieur. En fait, on va aller direction Doulan. Moulin de Candor. Il en a toujours le vent dans la gueule. Nous sommes à Gézincourt, on a fait une belle petite descente bien cassante mais très longue. Vraiment bien. Bon, je pouvais pas filmer en même temps évidemment. Et vraiment bien. Donc on va continuer. Incroyable ce mec, il me fait passer par plein d'endroits que je connais pas, je suis pas loin de chez moi quoi. On découvre tout le temps. Là c'était un bout de chemin entre Gézincourt et Toulon, jamais vu, jamais fait. Dingue dingue. Doulan, mais dans l'autre sens cette fois. Presque au point où on a bifurqué. Ouais. Presque. Encore. Presque. Bon. Il est chaud. Il est tombé, je tombe. Excuse-moi. Ouais. J'ai immortalisé. Ben. Ah ouais. L'herbe est très haute. Donc maintenant, faut y aller. Bon, bah là, on n'a pas d'autre choix que de marcher avec le vélo. Dans le champ à côté, c'est tellement haut et orti et tout. Après, on va rouler l'herbe autour des dérailleurs. Puis, on a le temps, marche, c'est tout.
Allez, nous en sommes sortis. Je crois que les jambes vont être bien rouges. Oui, aïe, 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 je chope des gens. Bah, par là. Par là. Par là, on pousse une flèche. On pousse une flèche. Des GR. Bah, GR, il est pas entretenu alors. Hein. Arrête-toi, enlève tout ce que t'as derrière. Non, ça va te gêner après. Ah, bah, ça. Ouais. Les escargots. Et bien bourré. Et moi, bah, bien bourré. C'est normal. Après être passé dans les grandes herbes, en partant, j'ai eu la chaîne qui s'est coincée derrière mon plateau. J'ai bien galéré pour le décoincer. Après, on est descendu dans un endroit, c'était magnifique. Bon, ça descendait vite, donc j'ai pas filmé. Mais vraiment, cet endroit est magnifique. Bonjour! Bon, c'est vrai, après être descendu longtemps, il faut remonter. Regardez mon Garmin là, il est gentil. Il montre le pourcentage, et ce qui reste. Dix. Bonjour. Le truc qu'il faut faire attention, ça descend un chemin, une bonne chaîne au milieu. Fais attention, il y a une chaîne. Ouais. Ouais. Ça c'est pas cool, je vois pas trop l'intérêt de mettre une chaîne étant donné c'est un sentier de randonnée. Va comprendre. Va comprendre, un sentier de randonnée, de mettre une chaîne. Ah ouais. On est à Auty. Ouais, ça serait bien. Je commence à avoir faim. Trouvez ça. Oh, ça grimpe encore. Et bon là, on a un vent de favorable. En fin de dos. Nickel. Ouais, il est quand même violent le vent aujourd'hui. Vu comment les éoliennes elles tournent. Là, c'est ce qu'on aime. Chemin comme ça. En fait, là, on essaye de trouver une boulangerie. Pas évident. Ah, pas par ici, ça c'est sûr. C'est un village, on va essayer de se renseigner pour savoir où c'est une boulangerie. Ça part mal. Qu'est-ce qu'on est tranquille. C'est vraiment zen comme endroit. Thank you.
voilà encore dans les grandes herbes. C'est pas grave. Nous sommes toujours à la recherche d'une boulangerie. Il n'y en a pas. On demande aux gens, c'est des petits villages, on demande aux gens, mais non, il n'y a pas. C'est des gros villages qu'il faut aller, mais malheureusement, on n'y passe pas. On n'a pas notre boulangerie. J'ai faim, je commence à manquer d'eau. Sinon, je demanderai à quelqu'un, c'est tout. Mais là, rien. C'est encore un peu d'eau, s'il me reste une barre, alors, on verra après. Ah, non, pas de boulangerie, mais par contre, le coin est drôlement chouette. Joli, joli. Là, on est à Mirvaux. Je viens de passer, je connais pas trop. Mais... Non, sympa. On a une belle vue d'ici. Par là, c'est Villers-Beaux. Et là, je sais pas. On est dans une longue montée depuis tout à l'heure. Ah bah si, entre 9 et 10%. Ah, et longue. Très longue. Ah, 7, ça redescend un peu. On arrive au bout. C'est marqué. Allez, 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 c'est fini. Nous sommes à Corbie et on cherche toujours une boulangerie. Va-t-on trouver? Là est la question. Il y a tout sauf des boulangeries. Ouais. J'arrive pas à l'écluse. Ça fait de la marine. Boulangerie après. Bon, vous savez quoi? On a quand même trouvé une boulangerie à Corbie. Donc on a fait combien de kilomètres avant de... 84 kilomètres avant d'avoir une boulangerie. C'est pas mal quand même. Hein, ah ouais, on a eu du bol. Les autres boulangeries dans Corbie fermées à 13h, celle-là 13h30. Une merveille. On l'a mérité, nos chaussons aux pommes. Bon, nous repartons de Corbie avec le ventre plein dans le chemin de halage. Je dis bien le ventre plein parce que une première fois chaussons aux pommes et après on avait une petite faim supplémentaire, enfin on avait surtout moi, mais il a craqué quand même. Donc on a repris la chausson aux pommes. Et comme on a été très sympathique avec cette jeune dame, elle nous a donné 4 croissants au cas où on aura encore une petite faim sur le retour. Ça c'est bien. Ça paye d'être gentil avec les gens. Chemin du halage. Regardez. Hop, femme, elle dit hop, mais elle a qu'à faire gaffe quoi. J'ai l'impression qu'ils sont tout seuls par moment. Inès pour mène là-dessus. Ah vas-y, j'ai chemin du halage pour moi tout seul. Ah. Eh non, ben non, ils sont pas tout seuls.
Yannou. Lui et moi. Moi et lui. Voilà, je laisse un petit peu de temps, lui il a sa sonnette. Il peut prévenir. Il faudra que je remette. Quand on oublie hier. Allez. Nous sommes sortis du chemin du halage entre Camon et Amiens. Il y avait du monde, hein. Pas envie de pilotage, hein. Ouais, pas envie de pilotage. Faut gérer. Eh bien là. Bonjour. Pas de masse, hein. Sera vu. Le soleil. On a 28,8. Ça a bien monté quand même. Là, bientôt 110 km. Temps de revenir sur Vignacourt, c'est bon. Et de retour sur Vignacourt. Toujours avec le vent. C'est vrai. Et là, 121 km. Youpi. La fin. Vous de la fin, bah, crevaison avant à 2 km de la maison. Ça c'est con, avoir crevé. C'était crevaison arrière à 2 km de la maison. Aujourd'hui c'est crevaison avant à 2 km de la maison. Ça arrive. Et moi c'était branche dans le dérailleur. Voilà. Plusieurs fois. Le mot de la fin. Bon, c'était bien. Merci Olive. À la prochaine. Ouais. Si vous saviez encore. Ça serait bien. Allez, bye. Ouais. À plus tard les gens.